Alors oui, bonsoir à tous mes frères et mes sœurs de Maurice, amen, que vous soyez dans le nord du pays, dans le nord de l'île, dans le sud de l'île, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dans l'est, dans l'ouest de l'île, n'importe quel endroit, quelle ville se trouve dans Maurice, le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénit, bénit, bénit. Ceux qui sont à Rodrigue, le Seigneur bénisse. Ceux qui sont à bon, ceux qui sont en dehors de Maurice, en dehors de Rodrigue, dans Sud-Afrique, bonsoir. Ceux qui sont à Australie, bonjour, bonsoir. Me prenez qu'il y a l'été en Australie. Et ceux qui sont en Europe, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen. Alors, bonsoir, rapidement. Bonsoir. Amen. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Gary, à Paris. Le Seigneur bénit où? Amen. Bénis-toi. Isabelle, le Seigneur bénit-toi. Amen. Isabelle, de nous, Happy New Year. Amen. Bonne année. Amen. Amen. Pratima, bonne année. Amen. Sachita, Lona, René. Sonia, compliments à ma tante Linda. Amen. Marie-Claire Chaperon, que le Seigneur vous bénisse. Christiane Perrette, que le Seigneur vous bénisse. Valérie Moutier-Amathé, bonne année. Amen. Bonne année à vous. Amen. Amen. Me prête bien, Valérie. Amen. Bonsoir. 2 a.m. here. Amen. Très, 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 très committed hein, pour get prédication à 2 h du matin. OK. Alors, que le Seigneur te bénisse et tes enfants. Amen. Me souhaite une bonne et parfaite année. Amen. 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 Aussi, Doris bien-aimée. Amen. Jessica Mounoussami, bonsoir. Paranivelle, bonsoir. Christopher Gébert, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse tout et compliments à Rosiane. Alors, mes frères et mes sœurs, deux, trois petites annonces avant qu'ils nous rentrent dans la parole de Dieu. Amen. Premièrement, moi pas la case, moi pas en Louisville, moi dans Maryland, moi dans là, moi dans Harbor, amen, dans very good place. Je vais prêcher dans l'église demain matin, 4h du matin, je vais prendre avion pour aller à la case. Amen, moi pour aller à la case demain parce qu'il y a une réunion demain, crossover, amen, demain les 31. Amen. Nous prenons un crossover service, ok? Ça veut dire, il est pour vendredi ici 10h30. Moi, par contre, 10h30 du soir, moi, par contre, qu'il est, il peut être en Australie. Mais je me connais qui en Angleterre, il est pour à 3h30 du matin. En Europe, il est pour à 4h30 du matin. À Maurice, il est pour à 7h30 du matin, ok? 7h30 du matin, nous pouvons faire une réunion. Ici, pas pour encore minuit. De 17h30 à minuit. Nous pourrons dans l'année ensemble. Première réunion, nous prenons la louange, nous prenons la prière, surtout la prière très importante, la parole de Dieu, la louange, la parole de Dieu, la prière, et aussi nous prenons communion. Dernière communion de 2030, 2021, et aussi première communion de 2022. N'oubliez pas ce moment dans la prière. N'oubliez pas, confesse la parole de Dieu, l'eau, nous la prière. Alors, moi, demande-toi, joigne-nous, amen, joigne-nous à 10h30 dans l'île d'Amérique, on appelle ça crossover service, amen. En Angleterre, l'époux à 3h30 du matin, en Europe à 4h30 du matin, Maurice 7h30 du matin, nous pouvons passer un moment dans la prière ensemble, amen. N'oubliez pas, mettez-nous, comment on appelle ça, nous l'année devant, l'année devant, dans la main de Dieu. Et aussi, pas oublier, il y a OKM, janvier le 20, le 21, le 22. Raising Kingdom Millionaire, ça est disponible tous, pour Maurice, les pour 8 500 roupies, amen. Je cause avec la sœur Pushtika et le frère Rudy. Amen. Le frère Rudy, ou soit la sœur Pushtika. Amen. 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 Il est important qu'ils te font partie là-dedans. Amen. Et parce que janvier le 20, le 21, 22, tu pourras prendre les principes de business, le principe des affaires à travers Jacob, Job, Joseph, Daniel et Salomon. Ok? Je peux prendre le business, comment je peux changer la vie. Mais n'oublie pas, s'il vous plaît, n'oublie pas, demain soir, ici en Amérique, il pourra 10h30 jusqu'à minuit. Et puis, minuit 15, et puis n'oublie pas que Maurice, en Angleterre, il pourra 3h30 du matin, en Europe, 4h30 du matin. À Maurice, 7h30 du matin. Mon parent est qu'il est déporté en
en Australie, ok? Alors, Valérie, te parle de moi, mais me crois bien, les pour vers environ 10h30 du matin, ou soit midi et demi de l'après-midi, ok? Le 1er janvier, me crois, ok? Hallelujah, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bonsoir, bonsoir à tous, et n'oublie pas, en janvier, c'est un mois de jeûne et de prière. Le 10 à 17, le 10 à 17, ne peut faire un jeûne normal. Ok, le 10 à 17 nous pour faire un jeûne normal, c'est-à-dire qui nous abstenir de la nourriture, peut-être une fois de capable d'abstenir, peut-être de petit déjeuner et puis de déjeuner et de manger dîner le soir. Sinon, tu es capable de faire jeûne de Daniel qui te mange juste le guim. Mais pour ça, 7 jours là, nous pour abstenir. Nous pouvons faire un jeûne normal, 10, tu dis avec moi, janvier le 10 jusqu'à 17, nous pouvons jeûner ensemble, et puis nous pouvons prier ensemble, nous pouvons faire beaucoup de prières en janvier, ok? Mais, à partir du 10 jusqu'à 17, nous pouvons normal, mais nous pouvons continuer après, jusqu'à le 31, et là nous faisons le jeûne de Daniel, qui ne peut pas manger aucun gâteau, aucun chose qui s'écriait. Ok, mes frères et mes sœurs? Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Est-ce que je peux comprendre moi là? Si tu ne peux pas comprendre Dieu, moi je peux comprendre. Ok? Si tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends. Ok? Alors, le 10 à 17, nous pouvons jeûner. Un jeûne normal. Ok? Mais jeûne, il commençait le 10. Jusqu'à 17, les points de jeûne normal. C'est quoi un jeûne normal? C'est qu'il nous abstenir de nourriture. Je peux dire un mot là. Nous abstenir de nourriture. Peut-être un repas par jour, peut-être deux repas par jour. Ok? Mais, nous pouvons continuer après les 17. C'est qu'ils ne peuvent pas prendre aucun gâteau, pas prendre aucun sucrier jusqu'à le 31. Est-ce que je peux comprendre moi là? De 10 à 17, il y a un jeûne normal. C'est-à-dire nous abstenir de repas, de petit déjeuner, ou soit de déjeuner, et puis nous manger un dîner le soir, ok? Donc, pas fait comme ça. Tout dépend de notre capacité. Mais, après les 17, nous pouvons continuer, mais à partir de 10, nous pouvons pas nous arrêter, manger quelque chose, gâteau, sucrier, ice cream, etc., etc., etc. Ok? Alors, mon explique ça, mais on va réexpliquer ça encore après quand nous finissons nos réunions aujourd'hui. Alors, moi j'espère que je comprends moins, ok? Mais te bizarre en prendre jeûner. Te bizarre en prendre jeûner et te bizarre en prendre faire la prière. La prière et le jeûne. Nous pouvons prier ensemble, jeûner ensemble pour nous capables d'aller de l'avant. Ok. Alors, mes frères et mes sœurs, maintenant, à nouveau la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1. Nous pouvons lire à partir du verset 10. Josué, chapitre 1, le verset 10. Amen. Dieu lit bon. Josué chapitre 1. Notre deuxième message aujourd'hui. Amen. Préparez-vous pour votre 2022. Il est important que tu te prépares-toi pour ton 2022. Te prépare-toi, te mets-toi dans la présence de Dieu. Tu n'as pas quelque chose qui te besoin faire en 2022 pour être capable d'aller de l'avant. C'est pour cela qu'il est important que tu te joignes avec nous selon ta capacité. De ne pas faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, selon ta capacité de jeûner et de prier ensemble avec nous. Amen, amen, amen. Alors, Josué chapitre 1, nous coupe-nous la tête de nous prier. Seigneur mon Dieu, me remercie-toi pour ce peuple merveilleux. Me demande-toi, Seigneur, ce soir, que tu peux aider-nous pour comprendre la parole de Dieu. Me demande-toi, Seigneur, ce soir, bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Me demande-toi qu'il te peut donner une oreille pour entendre, l'intelligence pour comprendre, les yeux pour trouver, le cœur pour recevoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Josué chapitre 1, le verset 10, s'il vous plaît. Et la Bible dit comme ça, et Josué commanda aux officiers du peuple, disant, passez par le milieu du camp et commandez au peuple, voilà, me fait pas comment un officier de Josué, mon gars, même commandement qui ben les officiers ils recevoir, et mon père toi même commandement, verset 11, préparez-vous de provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne pour le posséder. Amen. Alors, encore une fois,
Maintenant, mettez le quai et dis avec moi, mon père prépare-moi avec ma provision à passer et à posséder ce que Dieu il promet de moi. Je dis, mon Dieu avec moi, mon gain un Lord, mon gain un commandement, mon besoin prépare moi-même pour passer et posséder ce que Dieu il promet de moi. Mon père, dans autre là, je dis, mon Dieu avec moi, mon père prépare moi-même avec ma provision, amen, pour passer et possède ce que Dieu il promet moi. Amen, amen, amen. Dieu il fait une promesse envers toi. Quand est-ce qu'il te possède cette promesse que Dieu il promet toi là? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors lève la main encore une fois là-haut et dis avec moi. Je me prépare avec des provisions à passer et à posséder ce que mon Dieu m'a promis. Encore une fois. Je me prépare avec des provisions pour te faire, amen, pour passer, amen, et possède ce que Dieu m'a promis. Ce que Dieu il promet moi, mon bisin trouve-li, mon bisin possède-li en 2022. Amen, amen, amen. Mon explique-toi comment le livre de Josué est parallèle avec la continuité. Ok? Il est parallèle avec la continuité. Parce qu'il y a un livre de transition, il y a un livre que Dimona peut sortir pour rendre à notre place. Nous peut sortir en dehors de 2021 pour nous rendre dans 2022. Alors, il est important qu'il te fait, qu'il te donne une provision dans toute la vie, afin qu'il te capable de saisir, possède tout 2022. Amen, amen, amen. Alors, nous découvrons aussi que cette livre, non seulement un livre de transition, non seulement un livre de sortie et de rentrée, mais c'est une place, c'est un livre que banne le peuple de Dieu à travers de Josué. Amen. Je te quitte cet endroit qui nous appelle n'a peine assez pour rentrer dans la terre qui n'a plus qui assez. Amen, amen, amen. Je comprends qui dans l'Égypte, je pas tiens en rien. Ok? Dans l'Égypte, je patine un anonyme. Je patine assez. Patine assez briques, patine assez blocs, patine assez la paille, patine assez. Après, dans le désert, je tiens juste assez. Juste assez. Amen. Juste assez man pour manger. Je tiens aux commissions. Je pétane moi, mes frères et mes soeurs. Ok? Je tiens un. Comment est-ce en créole là? Aïe, 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 aïe. Je tiens un quota. Zis assez pour vivre. Ça veut dire, l'Égypte, c'est la terre de ne pas assez. Le désert, c'est la terre juste assez. Mais Dieu, il cherche dans la terre que peine assez, que n'a juste assez, pour aller dans la terre qui n'a plus qu'assez. Amen, amen. Et la terre de l'abondance. À ce moment-là, on ne connaît pas comment tu peux vivre dans 2021. Peut-être qu'en 2021, dans 2021, tu peux vivre dans la vie que tu n'as assez. Et peut-être toi, tu peux vivre dans la vie que tu n'as juste assez. Mais Dieu peut tirer toi en dehors de cette place que tu n'as assez, que tu n'as juste assez, pour amener toi dans une place en 2022 que tu n'as plus qu'assez, tu n'as la vie d'abondance. Donne-moi un bon amen. C'est la terre de lait et de miel. Milk and honey. Alors, lève la main là avec moi et dis avec moi, vous pouvez sortir en 2021 pour rentrer en 2022. Vous pouvez sortir d'un endroit, d'un la terre de ne pas assez, ne pas suffisant, d'un la terre qui simplement suffisant, mais d'un la terre qui n'a plus que suffisant. Amen. On a la vie en abondance. Je prophétise toute la vie qui en 2022 te prenne plus que ton besoin. Amen. Amen, amen. Dis avec moi, en 2022, je prends plus que mon besoin. Je ne pas dans là. Tu dis, mon Dieu, avec moi. En 2022, je prends plus que mon besoin. Je peux vivre une la vie de satisfaction, plus que satisfaction en 2022. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Alors maintenant, Nous comprenons qu'il y a qu'il le livre de Josué, c'est fermer un chapitre pour commencer un nouveau chapitre. Chapitre-là, de 2021, lit est fermé. Peu importe qui t'a passé dans
2021, chapitre là, lit, paix, fermé. Alors, demain soir, le 31 et le 1er janvier, ce bizarre commence un nouveau chapitre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, dis-nous comme ça, prépare-nous avec bonne provision. Alors, c'est quoi les provisions avec qui nous bisons prépare-nous? Nous découvrons l'autre fois là, qui est première question, qui nous bisons, première provision, c'est qui nous bisons un changement d'état d'esprit. La raison que tu étais financièrement en 2021, il y a une réflexion, il y a un reflet de ta manière de penser. La raison que tu étais physiquement dans ta vie en 2021, il y a une réflexion, que ce soit tes finances, que ce soit ta vie, que ce soit avec tes enfants, amen, n'importe dans quelle situation, il y a un reflet de ta pensée. Tant que tu n'as pas sens de penser, tu n'as pas pour capable sens de la vie. C'est pour cela que la Bible vient de comme ça, la façon qu'un homme les pensait, telle est cela vie y était. Salomon, il donne nous ça s'écrit là. C'est pour cela que Paul, il vient de comme ça, qui nous la vie, les pour songer quand nous renouveler nos pensées. Écoute bien maintenant, tu dis, moi, avec moi, mon capable changer. Mon capable changer. Tu n'as pas une orbe, tu n'as pas une pied, qui te fixe, te pourrisse la même. Non. Amen. Tu es capable de changer. Tu n'as pas un pied, toi. Tu es capable de sortir là que tu étais pour aller dans une nouvelle place. Donne-moi un bon amen ce soir. Alors, tu bises change tout l'état d'esprit. Amen, amen, amen. Moi, explique-toi que chaque étape qui t'a envie de franchir, il peut nécessite un nouveau amen, état d'esprit. Bon, redis ça encore une fois. Chaque étape qui te souhaite pour franchir, il nécessite un nouvel état d'esprit. Amen. Tu n'es pas capable de rentrer dans la terre promise avec une mentalité de désert. Tu n'es pas capable de rentrer dans la terre plus que suffisant, je peux t'en moi là, que tu as te rassasié avec une mentalité de pauvreté. Est-ce qu'il se peut à moi? Beaucoup de chrétiens pentecôtistes qui a l'église encore énorme, sa mentalité de pauvreté là. Nous devons éradiquer ça à tout prix. Amen. Mette la main sur la tête et dis avec moi. En 2022, on n'a pas pour énorme une mentalité de pauvreté. Mais Dieu merci, donne-moi une mentalité d'abondance. Dieu peut donne-moi une mentalité d'abondance. Je peux à moi, mes frères et mes sœurs. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Ok, chaque étape importante nécessite un nouvel état d'esprit. Deuxième question qui nous découvert, deuxième provision qui nous découvert l'autre fois là, c'est que nous devons écrire nous. Nous avons objectif, nous avons goals. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Et mon explique-toi l'autre fois là, qui pour ton goal, il y a une réalisation. Et un trois éléments qui sont très importants. Et ces éléments qui te butent, ils sont spécifiques. Deuxièmement, tu as besoin d'une durée de temps, hein, spécifique là. Et troisièmement, besoin d'une stratégie complémentaire. Besoin d'une action complémentaire. Troisième, une découverte. Carpe diem. Carpe diem. Arrêtez gaspiller le temps. Maintenant, moi, je vais te créer ça. Le temps, amen, comme on explique, je te le vois là. 86 400 unités, Dieu donne-toi par jour. Dieu donne-toi 86 400 unités par jour. Dans une journée, on a 86 400 secondes. Amen. Pour te produire quelque chose. Le temps, c'est-à-dire ces 86 400 là, il y a un véhicule, amen, qui transporte toi dans ta destinée. Moi, je veux te comprendre ça là. Ces 86 400 secondes que Dieu donne toi tout le jour, c'est ça même ton véhicule qui promène toi, qui peut transporter toi dans ta destinée. Amen, amen, amen. Hier, tu dépenses, amen, 86 400 secondes pour rentrer dans aujourd'hui, pour rentrer dans aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Tout le monde, il fait les mêmes affaires. Alors, tu as besoin
carpe diem. C'est quoi carpe diem? Tu as besoin de saisir le moment. Tu as besoin de saisir le moment. Amen, amen. Arrête, gaspille le temps. Un des belles questions que tu as besoin de faire en 2022, sont-ils là? Sont-ils là? Beaucoup de bêtes passent le temps, n'est-ce pas, au téléphone, 24, le 24, le 24, le 24. Je pète à moi, mes frères et mes sœurs, le Facebook, le YouTube, nous peinons le temps pour le Facebook, pour guetter qui dit, pour raconter. Mais jusqu'à moi là, amen, vous pouvez mettre une blague, bonjour, ok, vous pouvez mettre une blague, vous pouvez prêcher, et après, vous sortir, parce que vous bizarre, passe le temps, lire, passe le temps, prier, passe le temps, lire ban livre. Je pète à moi, mes frères et mes sœurs, et soit, ou soit écrire ban livre, ou soit faire ban les cours. Je connais la semaine dernière, on a ces trois cours. Je peux t'amener là, on a ces trois cours. Amen. Tout le temps, besoin update, besoin améliorer. Mes frères et mes sœurs, nous besoin seize the moment. Amen. Mettez la main sur le cœur, dis avec moi. Amen. En 2022, mopou carpe diem, mopou carpe diem, mopou arrête gaspille le temps. Mon pouvoir arrête gaspille le temps. Je ne connais pas. Dis-moi, je passe 24 temps, un tas de temps au téléphone. Téléphone est causé même. Tu connais? Si tu peux guetter, si tu peux guetter mon téléphone, mon montre-toi lui. Amen. Mon pouvoir montre-toi lui. Amen. 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 Je peux trouver lui là. Amen. Qui? Mon téléphone. Lilo, do not disturb. Lilo, do not disturb. Amen. Beaucoup de fois. Ok, je trouve lui. Ok, do not disturb. Si moi réponds toi, c'est qui moi vie réponds toi et te papé prends moi le temps. Je pète un moi parce qu'il peut créer livre, pour faire ma nouvelle production, pour travailler, etc. Li require beaucoup le temps et beaucoup de focus. Te besoin focalise toi en 2022. 2022. Amen, amen, amen. Je t'aime, mes frères et mes sœurs. Amen. Te bisin en prenne, protège de le temps. Te bisin, mets Jess avec moi. Mon bisin en prenne, protège me le temps. Encore une fois, mon bisin quoi? En prenne, protège me le temps. Quoi? Parce que c'est le temps que Dieu il donne moi comme un véhicule qui peut transporter moi dans mon destinée. Le temps est plus important que l'argent. Je peux témoin? Le temps est plus important que l'argent. Tu es capable de faire l'argent, mais tu n'es pas capable de faire plus de l'heure encore. Non, dans un jour, tu as juste 24 temps. Je peux témoin? Tu as juste 7 jours et tu as 365 jours. Alors, je peux te poser un défi devant toi. Un challenge devant toi, qui te peut faire dans sa première 86 400 secondes unité que Dieu il donne toi le 1er janvier, et qui te peut faire, amen, avec ça pendant 365 jours. Amen. Qui te peut faire, qui te peut fabriquer, qui te peut accomplir dans ta la vie en 2022. Amen. J'espère t'en écrire. M'espérer ton écrit et te ban but, te ban objectif. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Hier, dans l'avion, à 5h du matin, je pète un mois là, non seulement mon écrit lit le mot portable, mais mon écrit lit dans mon iPad. Tout le temps, travail. Ok, tu peux trouver, si tu es capable de trouver clair ici. Ok, goals for 2022. Goals for 2022. Ok, goals for 2022. Ok, moi je vais vous oublier là. Goals for 2022. Ok, hallelujah. Thank you, Jesus. Ok, goals for 2022. Thank you, Jesus. All right, tu bisin écrit ton goal. Et mon divise, mon goal. Ok, li en tu as goal physique, tu as goal financier. Tu as un goal spirituel, tu as un goal. Ok. Je peux trouver ici, par exemple, hein? Ok, je peux trouver ça. Tu
Ok, par exemple, physical goals, je peux trouver physical goals et ensuite reading goals. Ok, je peux trouver physical goals, je suppose je peux trouver lire. Ok, physical goals, ok, et reading goals. Physical goals, ok, c'est pas tout non, il y a, hein? Physical goals et reading goals, ok. Ok, hallelujah, ok. Madame est sur Planet Fitness qui coûte nous. Ok, alors, moi là-dedans, 3 fois par semaine. Hallelujah. Ok, 3 fois par semaine. Et marcher tout le jour. Marcher tout le jour. En ce moment, mon size, lit 34, et mon but, c'est pour vivre en 33 et 32. 33 et 32. Je peux être moins. Et mon amour reading goals. Mon reading goals. Reading goals, ban e-book et ban cours. Ban e-book et ban cours. Ban e-book et ban cours. De besoin à investir dans toute la vie toi-même. De besoin investir dans toute la vie toi-même. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ok, maintenant, on commence nous quitter la dernière fois. Alors, quatrième question qui nous envie comprend ce soir. Qui nous envie comprend. Je pète un mot là. Quatrième question, vous pouvez juste 2 aujourd'hui. Ça dit là, 2 ou 3, ok, de besoin comprend. Numéro 4 aujourd'hui, c'est qui te besoin, un de bonne provision qui te besoin en 2022. Te besoin en a l'audace, te besoin en a le courage pour faire un grand pas. Pour faire un grand move. Je pète un mot là. Alors, lève-toi la main là-haut avec moi et dire avec moi, hallelujah. Bien, très bien, Joël, just to inform, mon baba Joshua et moi, nous finirons home. Hallelujah. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Amen. Dieu est bon et Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Nous félicitons toi et Joshua. Amen. Pour votre guérison, pour ce que Dieu fait pour vous. Amen. Alors, numéro 4, tu dis avec moi, un demande provision qui m'obéit. M'obéit et n'a l'audace, m'obéit et n'a courage, m'obéit et n'a toupé. Amen. Pour faire un grand pas en 2022. Nous bisons faire un grand pas en 2022. Un pas qui t'ont hésité pour faire en 2021. C'est pour cela qui te finance de la vie et ne pile en rond, te pèse en plate. Parce qu'il te pas osé faire un pas qui te bisons faire. Je pète à moi là. Alors mes frères et mes sœurs, l'important qui en 2022 en de bonne provision en de bonne décision qui te besoin faire te besoin en a l'audace en a toupé en a le cœur. Amen. Pour faire ben grand pas, arrêter hésiter. Amen. Premier question, qui fait te besoin? C'est pour cela que la Bible nous donne dans Josué chapitre 1. On nous descend rapidement dans la Bible française, Josué chapitre 1 s'il vous plaît. Si tu es capable de mettre ça pour moi, s'il te plaît, Gary, Josué, chapitre 1, s'il vous plaît. Que le nom de Dieu soit béni. Josué, chapitre 1, nous pouvons lire à partir du verset 6. Hein, à partir de ton âme, dis-toi là. Josué, chapitre 1, hallelujah, on nous guette dans nous la Bible. Ok, la Bible dit nous comme ça. Écoute bien maintenant. Le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi la main avec moi, tiens. En 2022, moi pour lever. En 2022, moi pour lever. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ah, très important. Get Kilindia. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Get qui l'épandir. L'épandir, tout lieu hein, qui plante les pieds in déjà foulé. Non. Que Dieu permette Josué, lui permette dans un nouveau lieu, que jamais sur les pieds in posé, in planté là-bas. Je pète à moi. En 2022, Dieu permette toi dans une nouvelle place.
Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Non pas tout lieu que tes pieds a déjà foulé. Non, 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 non. Dis avec moi, en 2022, Dieu permet-moi dans un nouveau place. Vous partagez autre là, tu dis moi, dis avec moi, en 2022, Dieu permet-moi dans un nouveau l'endroit d'un nouveau lieu que jamais mon pied imposé. Amen, amen, amen. Premièrement, jamais ton pied impose dans 2022. Ton pied pour faire un nouveau qui surge. Amen. Et me pour donne-toi lit, comme je l'ai dit à Moïse. Ok, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des tiens, et jusqu'à la grand-mère vers le soleil couchant. Maintenant, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Mette la main dans le cœur et fais cette confession-là. Dis, personne n'est pas pour capable de bout devant moi. Personne n'a pas pour capable de tenir devant moi. Amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Maintenant, dis avec moi. Tant qu'il est vivant, l'eau, la terre, Dieu l'époux avec moi. Amen. Comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu dis, dis avec moi, Dieu pas pour délaisse-moi. Dieu n'est pas pour abandonne-moi. Maintenant, écris-le nous, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Te bisais et n'a courage. C'est ça, nous, quatrième provision. Te bisais et n'a courage. Te bisais et n'a l'audace. Amen. Te bisais et n'a toupée. Amen. Te bisais grand cœur. Amen. Qui Dieu nous dit comme ça. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurais à leur père à leur donner. Amen, amen, amen. On nous lit encore une fois. Amen. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième fois, Dieu peut dire ça. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Le verset 7. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le verset 9 maintenant. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Nous trouvons qui trois fois, Dieu injali prend courage. Te bisin et n'a l'audace et le courage pour faire le grand pas. Qui faire? Qui fait te bisin à courage en 2022? Parce que, pour toi, quatre raisons qui fait te bisin et à courage. Te bisin et à l'audace. Ok? Pour te faire un grand pas. Parce que, les demandes, l'audace, les nécessite l'audace pour quitter le désert. Beaucoup parmi eux, je peux vivre dans le désert. Hein? Dans tes finances, dans ta vie personnelle, tu peux vivre dans le désert. N'en y est pas fait grandi dans toute la vie. Quand tu donnes place de désert, n'en y est pas fait grandi. Je pétale moi là. Alors, tu besoin et n'a l'audace, courage, pour quitter le désert. Le problème avec le désert, c'est qu'il beaucoup de fois, il paraît réconfortante. Il paraît confortable. Ok? Mais, pour te rendre dans la terre promise, tu as besoin de sortir en dehors de zone de confort. Je pète à moi, mes frères et mes soeurs. Amen, amen. Alors, comprends bien, dis avec moi. L'audace lie une nécessité. Courage lie une nécessité. Afin qu'il me capable quitte le désert. Amen. Deuxième qui chose, qui fait mon besoin à l'audace, qui fait mon besoin à courage. Amen. Pour faire un grand pas, qui ne peut pas faire en 2021. Parce que l'audace lie une condition préalable, amen, préalable à l'entrée dans la terre promise. Non simplement te biser à l'audace pour quitter le désert, quitte le passé derrière toi, mais te biser à l'audace, te biser à courage pour te capable posséder l'avenir, te capable posséder la terre promise, parce que dans la terre promise, il y a un géant qui te peut confronter. Te pour affronter et te pour confronter. Te bisin et n'a courage, l'audace et toupée. Amen. Te bisin, dis-moi, mon pas pour qui en arrière, mon pour foncer, mon pour aller. Quand moi j'étais comme ça, te bisin à l'audace et toupée et courage, c'est-à-dire te bisin foncer. Te bisin foncer. Tu dis-moi, dis avec moi, en 2022, mon pour foncer. Mon pas tant d'autres là, tu dis-moi, dis avec moi, en 2022, mon pour foncer au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième raison, qui faire? Écoute-moi bien, mes frères, c'est tout toi,
madame, ok, bonne femme, bonne soeur, écoute bien maintenant. Te bisez et là l'audace et en dieu de l'esprit de timidité, arrêtez, hésiter, tâtonner dans la vie. Non, qui faire? Parce qu'il l'audace, courage. Je pète moi là, amen, l'innécessaire pour emmener les autres dans votre destinée. Toi qui n'as enfant, te peux tâtonner même, te peux pile en rond. Non. Te bannes enfants, pas pour capable rentre dans un lieu de la terre promise, tant que toi te pas faire un pas. Je peux pile en rond, te peux pile en rond, et te bannes enfants pour pile en rond. C'est pour cela que Dieu il dit, hein, avec Josué, ok, nous retournons dans le livre, dans nous la Bible, s'il vous plaît. Amen. Hein, nous retournons dans nous la Bible, s'il vous plaît. Dans, qui le dit à nous là? Josué, il dit comme ça, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en position du pays que je jurai à leur père de leur donner. J'entends ça là? T'entends qu'il dit là? Fortifie-toi, prends courage, Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. En d'autres mots, ben, les enfants-là pas capables de rentrer tant que Josué pas prend un, pas fait une décision, amen, avec l'audacité, une décision courageuse, je pète un mois là, pour les capables de rentrer. Quand ils rentraient, ce ben, les enfants rentraient. La raison qui fait un moment, les enfants restent en Amérique, habitent en Amérique, peuvent jouir en Amérique, c'est parce que ce papa, ce papa, moi, je me fais une décision, amen, pour quitter l'Europe, amen, pour vivre en Amérique. Je pétane moi là, la raison qui fait, Valérie, que mes enfants vivent et grandissent en Australie, c'est parce que tu prends une décision courageuse, je pétane moi là, pour vivre en Australie. Gary, tu en Paris, tes enfants dans Paris, amen, c'est parce que tu prends une décision courageuse pour te rentrer et là que te rentrer tes enfants pour rentrer. Je pétais moi mes frères et mes sœurs. Amen. Dis avec moi là que mot rentrer, mon bons enfants pour rentrer. Je connais mon apprendre foncé dans la vie par mon papa. Mon papa dit il foncé. Amen. Il pas guette par derrière. Il n'a pas guette par derrière. Il fonce même. Je pétais moi. Amen. Les types de travail le bateau. Et nous allons dire moi comme ça, nous promène-toi en Angleterre. Moi, amène-toi. Amen. Nous restons en Angleterre. Je pète à moi, mes frères et mes soeurs. Amen. Moi, mon deux frères, nous grandis dans l'Angleterre. Nous gagnons une éducation anglaise parce que mon papa est foncé. Je dis à mon papa comme ça, tu n'es pas capable d'acheter la case. Mon papa est acheté la case. Je pète à moi là. Amen. Mon papa est voyage dans beaucoup de pays. Alors, sa l'onction là, lit l'eau moi. Sa l'onction foncée là, parce que mon papa tient à lui, il n'est pas gagné père. Amen. Alléluia, il est rentré. Amen. Me rappelle un jour, tu as un cas que mon papa tu faisais faire à cause immigration en Angleterre. Avocat palais représente mon papa. Fini pays, mais les palais représente mon papa. Mon papa dit, mon papa besoin toi représente moi, moi-même pour représente moi. Je pète à moi là. Amen. Il dit moi comme ça, Glenn, tu peux venir avec moi. Il dit oui, papi, moi viens avec toi. Amen. Moi et mon papa, nous dernier debout devant juge et devant les autres. Je pète à moi là. Que le bonhomme français, hein, ce garçon foncé. Je pète à moi là, mes frères et mes soeurs. Amen. C'est pour cela que mon fonce dans l'Amérique. Amen. Première fois, mon rentre dans l'Amérique, c'était en 92. Amen. Mon passeport britannique va être fini. Je prends mon passeport mauricien. Au lieu de prendre mon passeport britannique, je prends mon passeport mauricien. Je rentre dans l'Amérique premier jour. Je dis moi comme ça. C'est quoi ça, Mauritius? Jamais n'entendez c'est quoi le pays Mauritius. Pas casse la tête. Des trois jours, peut-être bien parler de Maurice. Amen. Je pétane moi, mes frères et mes soeurs, ce pouce-là qui, je pétane de Maurice. Amen. Mauricien qui est un programme télévision. L'or, amen, la chaîne américaine, c'est nous.
Amen. Je pète à moi, mes frères et mes sœurs. Amen. C'est pour ça, moi, dis-toi que tu me fonces, toi ici, tu es capable de foncer. Amen. N'a peine un pays que tu peux trouver toi-même, que tu n'es pas capable de foncer. Non. Amen. En Australie, tu peux foncer, tu peux aller de l'avant. En Italie, tu peux foncer, tu peux aller de l'avant. En France, tu peux foncer et tu peux aller de l'avant. En Angleterre, tu peux foncer et tu peux aller de l'avant. Ça qui dit, moi, dis-toi comme ça, tu n'es pas capable de faire, tu peux faire lui. Et non seulement tu peux faire lui, tu peux donner un exemple avec tes enfants et tes enfants aussi pour faire lui. Mette la main dans laquelle, dis avec moi, moi, j'ai la foi imbattable. Moi, j'ai la foi qui jamais pour recul en arrière. Moi, peux aller de l'avant. Et tout le temps, moi, peux aller de l'avant. Amen. 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 Sa troisième raison. Alors, écoute bien. Quatrième raison qui fait te misère. L'audace. Amen. L'audace, c'est parce que l'audace, courage, l'est vital, l'est important pour te agir dans la parole de Dieu. L'est important de besoin à courage pour agir dans la parole de Dieu. Je trouve ça encore une fois. Dieu dit comme ça dans Josué, fortifie-toi afin qu'il te capave. Amen. Obéir toute la parole qui me serviteur Moïse indietoi. Lui prend ténacité, lui prend courage, je pétane moi là, lui prend courage, ténacité, l'audace pour agir dans la parole de Dieu. La raison qui fait ne pas trouver le miraculeux dans nous la vie, parce qu'il nous gagne peur pour agir dans la parole de Dieu. Mon esprit, je veux qu'il me prenne ça. Avec mon papa, hein, avec mon papa. Mon papa, une fois, mon papa, quand il trappe quelque chose, quand il saisit quelque chose, il n'est pas pour l'orgue. Je peux t'en moi là. Il entend, il en prend, ok, quand il fait convertir en Angleterre, qui la guérison est pour nous. La guérison est pour nous. Le gain du mal, il n'est pas capable de marcher. Il n'est pas capable de marcher. Ok? Mais il n'est pas offert, la papille est offert. Il n'y a rien que Dieu peut dire du besoin capable de marcher. Ok? Mais je n'étais pas au travail. Il dit, oui, mon père travaille. Ok? Oui, mon père travaille. Ok? Il dit comme ça. Ok? Moi, tu as 14 ans. Tu prends le travail comme ça là. Tu n'es pas capable, même sur le tino Lili, tu prends le travail. Ok, il est levé, il trappe l'escalier, il est marché, amen, il trappe l'escalier, et là, tu es dans la neige, tu es dans Londres, à l'époque là, je peux vivre à Stoke Newington en Angleterre. Mon père est marché, ok, mon père est marché, il n'est pas capable de marcher le chemin, il n'est pas capable de marcher. Bon, rien que lui, il me dit, papi, tu ne sais pas le travail là. Tu n'es pas plus capable de marcher, ok? Il dit, moi, non, le bien travail, commence le travail à 10h du matin, fini à 3h, pour lui retourner la case, et pour lui réel travail encore à 6h dans South Kensington, dans Londres, ok? 3h, il finit ce travail, ok? Il peut travailler dans le restaurant français, le cardinal, il descend, il retourne la case. Le temps libre, il retourne la case, il me trouve, il peut descendre encore dans l'escalier, ok? Il vit tard! Parce qu'il n'est pas capable de marcher. Il rentre la case vers 4h30 pour lui ressortir 5h. Il vient de la case juste pour faire du thé, faire gâteau pour moi, Bruno et James. Pour lui redescendre l'escalier, il n'est pas capable de descendre l'escalier. Oui, tu peux travailler encore là? Il dit, oui, je peux travailler encore. Je dis, mais tu n'es pas capable de marcher. Il dit, moi, Dieu indien, il peut guérir nous. Amen. Dieu n'est pas capable de mentir. Il dit, ok. Il dit, ok. Il est remonté encore, il réacquitté dans le bus stop. Je pète à moi là. Amen. Il reprend ce train, ce tube pour le travail. Mon père Tanli, parce qu'il rentre la case après minuit. Mon père Tanli, descend. Energy matin, il n'est pas encore descendre. Ça écoute là, moi je dis, qui arrive le monde là? Qui arrive lui? Je pète à moi. Energy matin, mettez la porte, ouvrez la clé. Bonhomme peut descendre carré. Moi je dis, mais qui arrive le lipé? Dieu guérit moi. Quand tu as l'audace pour agir dans la parole de Dieu, Dieu peut faire ce qu'il est besoin de faire. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, ça c'était notre quatrième, nous besoin à l'audace.
Dis avec moi, mon bisin a l'audace, mon bisin a courage pour faire un grand pas en 2022. Dis avec moi, quelque chose qui m'a pas fait en 2020, en 2019, en 2021, qui m'ont hésité, m'a pour faire lui en 2022. M'a pour faire lui en 2022. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, cinquième, et nous terminons avec cinquième. Écoute bien maintenant, nous retournons dans le livre de Josué. Écoute bien. Arrête, écoute bien maintenant. C'est au capon qui peut garder toi dans la captivité. Quand au capon, amen, ça garde toi dans la captivité. Pas croire qui, ben chrétien, pas capon. Beaucoup capon. Je pète à moi là. Beaucoup capon pour faire ben décision, ben grand pas, parce que je deviens père. Non. Tu as besoin d'agir dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'agir avec ta conscience et comprends que quand tu rentres dans la terre promise, tu as enfants aussi pour rentrer dans la terre promise. Nous retournons dans Josué, bon, pour terminer avec celle-là. Le premier verset, hein, Josué chapitre 1, le premier verset. Nous lisons le premier 5 mots de cette verset. Après la mort de Moïse, tu entends ça là? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous entendez ça là? Moïse, mon serviteur, il est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Si tu lis dans Deutéronome 34, tu peux trouver qu'il va pleurer, endeuiller pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Dieu m'a mis une fatigue avec eux. Tu arrêtes qui les deux. Arrête de pleurer. Arrête de faire morphine. Lève-toi. Moïse in mort. Moïse in mort. Je peux être moi là? Ok, écoute bien maintenant, mes frères et mes soeurs. Écoute bien, moi envie de te écrire ça. Cinquième qui se, cinquième provision. Amen. Tu as besoin de comprendre. Ma relation qui est mort. Amen. Tu as besoin les autres morts. Parce qu'il y a une relation qui sont morts. Je ne pas pour permettre toi. Amen. Je ne pas pour aider toi pour rentrer dans la terre promise. Moïse, comme a dit Moïse, n'est pas capable d'aider Josué pour rentrer dans la terre promise. Je pète à moi, mes frères et mes soeurs. Moïse, qui dit Moïse, n'est pas capable de tirer Josué en Dieu de l'Égypte, mais il n'est pas capable d'amener Josué dans la terre promise. Je peux t'aimer moi. Alors, tu as besoin de saisir qu'il n'y a pas tout le monde qui commence avec toi pour finir avec toi. Je peux t'aimer moi là. Amen. C'est pour cela, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas faire verser l'âme, faire morphine, si un monde quitte toi, y aller. Pas qu'on te valait, pas qu'on prend te valait, je pète à moi là, et les quitte toi, les causes brite avec toi, et les aller, et toi ton couple pleure même toi. Qui faire? Si une relation, les mots, je pète à moi là, laisse-les mort. Jésus-Christ dit, laisse le mort, enterre le mort. Je pète à moi, mes frères et mes soeurs, amen. Te bisais et n'a ça l'idée là dans de la tête. D'ailleurs, c'est ça l'idée qui m'a dans la tête. Si un djimoun pas envie de cause avec moi, si un djimoun pas envie et n'a aucune relation avec moi, pour moi, il n'est pas dérange moi du tout. Parce que nous trouvons qui dans Esaïe, il y a même affaire. Il dit l'année que le roi Ozias, il trouve le Seigneur. Dieu dit avec Josué, Moïse, il mort. Moi encore la même. Lève-toi. Amen. Lève-toi et rentre dans possession et prends possession de la terre. Comme Moïse, il n'est pas capable d'aller, pas capable d'amène-toi. Moi, mon pou, amène-toi. Je peux t'aimer moi. Alors, arrête vers l'homme, le bande Jimoun qui peut quitter toi. Je peux t'aimer moi là. Amen. C'est un djimoun qui est un pasteur. C'est un djimoun qui est l'église. Aïe, je commence tard. Arrêtez. Je connais, moi, je commence 8 l'église.
ok, d'une bâtir 8 l'église, que ce soit à Londres, Maurice, n'importe qui place, non? N'importe qui place en la Guyane, etc., etc., que ce soit en Amérique. Quand un Jim Moon, Jim Moon comme ça, Glenn Monépli pour capable de rester avec toi, jamais, mon verge, mon langue, ok, mon prier pour Zot, mon béni Zot, mon béni tout mon Jim Moon, mon béni Zot tout, mon père n'en y compte personne, je peux être moi là, mais mon réaliser, quand moi mon réaliser, pas tout Jim Moon qui commençait dans mon train, pour finir le mot train. Je pétale moi là, pour finir le mot train. Non. Ok? Et quand tu es dans un bis, tu peux prendre un bis dans la gare du Nord, pour aller dans Cap Malheureux. Pas tout le monde qui rentre dans un bis, dans la gare du Nord, qui est pour résoudre sa bis là. Il y a un peu sorti Saint-Croix, il y a un peu sorti Rochebois. Amen. Est-ce qu'il te trouve contrôlé et chauffé, pégué les toits? Est-ce qu'il te trouve se faire être contrôlé un peu pleurer? Ah, il qui fait un béquet de nous. Ça appelle ça, longtemps Maurice là. Comment appelle ça que de ticket? Mon tonton, tu es un contrôleur. Amen. Mon tonton, ma cousine, Bianca, ce papa, tu es un contrôleur. De plus, me rappelle ça longtemps. Et avec les chiens. Quand j'arrête que mon matin, le matin, maman. C'est là, moi, mon frère Bruno, James Chakotipti, moi, Bruno. Et mon cousin Gilmore, comment nous lever grand matin et la bonne petite roupie pour nous saquer, pour nous acheter chingam, pour nous acheter bonbons, etc., etc. Ok? Et vous vous rappelez longtemps ça vient, ça fait que d'une ticket là, ça t'imagine, petit contact et ça. Mais et quand tu trouves contrôler le bus, quand le dimanche soir, yo qui fait te bien aller, qui fait te petit point? Non. Amen. Est-ce qu'il se peut comprendre moi là? Arrêtez, pleurez, arrêtez. Il l'air pour faire un grand pas. Si une relation, les mots, amen. Un djimoun pas content toi, un djimoun pas où toi, les autres qui te peut casser la tête. Toi, tu besoin continuer, foncer, même aller. Et Dieu peut mener un nouveau djimoun dans toute la vie. Est-ce qu'il se peut comprendre moi là? Dieu permet du nouveau ban destiny helpers dans toute la vie. Est-ce qu'il se connaît qui la Bible dit nous comme ça dans Néhémie chapitre 9? Amen. Moi, il y a plusieurs en anglais. Néhémie chapitre 9. Tout ça bien maintenant. Le verset 27, ma qualité. Hallelujah. Que le nom de Dieu soit béni. Hallelujah. Il dit nous comme ça dans le verset 27, les genoux comme ça, therefore thou delivered them into the hand of the enemies, comme en effet désobéissant, ok, mais les genoux comme ça, mais according to your manifold mercies, you gave them saviors. Je entends ça là, moi c'est les qui me disent en français, adieu Seigneur, en français qui peut dire là, ok, Néhémie chapitre 9, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, le verset 27, qui lui peut dire? Alléluia, ok, voilà, très bien. Il dit, tu les as, même dans la détresse, et toi, tu les as entendus de haut, du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs. Amen. Dis avec moi, en 2022, Dieu peut donner moi un libérateur. En anglais, God will give me some saviors. Ok, de libérateurs. Nous continuons à lire, amen. Et qui le sauvèrent de la main de leurs ennemis. Je ne t'aime moi là. Alors, dis avec moi. Tout le monde dit avec moi. En 2022, Dieu peut donner moi un libérateur, un saviors qui peut libérer moi, amen, de mon ban l'ennemi. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, moi envie que tu servis un peu l'audace. Moi envie que tu servis un peu toupé. Te prends un peu courage pour te faire un grand pas dans 2022. Et comprends. Qui mort en 2021 n'a pas rôde ressuscite lui. Je pétane moi là, si sa relation là est mort, sa djimou là, j'ai pas envie de toi, j'ai pas content de toi, j'ai pas les sentir toi, qui te casse la tête toi, tu peux signer avec lui. Je pétane moi là, il te besoin content. Non. Pour moi, personne n'a besoin content moi. Je pétane moi là, une fois que Jésus compte en moi, amen,
ça m'est égal. Amen. Ça c'est bon pour moi. Une fois que Jésus-Christ lit compte en moi, amen, et me connaît qui mon Lucien lit compte en moi 24 le 24, amen, 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 amen. Jamais mon Lucien en collé avec moi. Jamais qui me connaît qui mon Lucien lit capable en collé avec moi. Mon madame est capable en collé avec moi. Amen. Il est capable man avec moi. Mais mon toutou, jamais il man avec moi. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit béni. Te cousin, te cousine, te ma tante, te tonton, te grand-père, te grand-mère, te camarade, te mari, te femme, les capables en colère, man avec toi. Mais Dieu est de tout jamais dit pour man avec eux. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Alors, me demande-toi, prends courage, mon frère, prends courage, mon soeur. Amen. Agir dans la parole de Dieu, faire ce qui te besoin faire en 2021. Combien parmi eux, pour d'accord avec moi, pour dire moi oui, et n'abandonne pas, et n'abandonne move qui m'a besoin faire depuis longtemps, m'a pas encore fait, hein, et m'a la vie pile en rond. Tu n'as pas besoin de dire moi qui te fait, qui te bande faire, de dire oui, et n'abandonne pas qui te besoin faire, te finances, tu peux plus haute. Et n'abandonne pas qui te besoin faire, et te carrière, tu parles d'un autre niveau. Amen. Mais tu n'as pas hésité. Tu n'as un business que tu veux faire, tu n'as hésité. Amen. Amen. Maintenant, tu veux prendre courage pour faire lui en 2022. Tu n'as une possibilité d'acheter un terrain, d'acheter une case, sortir-toi en dehors de locataire, mais tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité. Ok? Non. Faut des pas grimper. Amen. Combien parmi nous encore peut pleurer le bandimoun qui dit ne pas moi pas content toi, moi pas oulé toi, et toi te perdre gain de l'affection. Non. Amen. Les bons qui dit mon content toi, les bons qui dit mon cause avec toi, mais écoute bien mes frères et mes sœurs, amen, de besoin capable vivre. Amen, avec l'amour de Dieu. Amen. Moïse est mort, mais Dieu est encore la même. Moïse est mort, mais Caleb est encore la même. Je peux être moi, là, mes frères et mes soeurs, tu dis, mon Dieu, avec moi. Amen. N'importe qui ça n'a, inquiète-moi, abandonne-moi. Amen. Dieu est encore la même. Amen, amen, amen. Alors, très rapidement, nous faisons des annonces encore. Écoute-moi bien maintenant. Demain. En Amérique, à 10h30 p.m. En Angleterre, l'IPU à 3h30 du matin. En Europe, à 4h30 du matin. À Maurice, à 7h30 du matin. Bon, pas toi connais exactement qui est l'IPT en Australie, en Sud-Afrique, etc., etc. Mais nous pouvons faire un crossover service. Nous pouvons louer ensemble, nous pouvons prier ensemble, nous pouvons écouter la parole ensemble, nous pouvons prendre communion. Nous pouvons prendre communion deux fois. Alors, prends ta communion, prends toutes tes précautions, nous pouvons prendre communion deux fois. Nous pouvons faire lit avant minuit et nous pouvons faire lit après minuit. Dernière communion de 2021, le décembre 31. Amen. Et puis, première communion juste après minuit. Amen. Pour nous couvrir, nous l'année avec le sang de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, le sang supérieur. Il est très important. Il est très, 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 très important. Amen, amen, amen. Mes frères et mes sœurs, joignez-moi, nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons faire une confession de la parole de Dieu ensemble. Amen. Alors, si c'est disponible, vous demandez de venir. Amen, amen, amen. Et aussi, n'oublie pas que le 10 janvier, nous pouvons commencer à jeûner. Le 10 janvier, nous pouvons commencer à jeûner. De 10 à 17, nous pouvons faire un jeûne normal. C'est quoi un jeûne normal? C'est qu'il nous abstenir de la nourriture, amen, et nous prier, nous boire beaucoup de l'eau, boire beaucoup, beaucoup de l'eau sur des liquides, amen, et de capable faire un jeûne normal qui te rate ton petit déjeuner, soit te rate ton dîner, repas de midi, et te manger à soir, ok? Ou soit te capable faire comme un jeûne de Daniel, que te pas mange la viande, et qui se sucriait, je pète à moi, et
de faire lire, nous faire lire de 10 à 17. Et nous pouvons prier beaucoup le 10 jusqu'à le 17. Mais après ça, nous pouvons continuer lire encore jusqu'à nous pouvons terminer jusqu'à le 31. Amen. Quand nous n'avons pas aucun gâteau, n'a pena aucun jusic, n'a pena aucun banquisseur comme ice cream, comme gulab jamun, comme Isabelle habituellement, c'est napolitaine. Je pète à moi mes frères et mes sœurs, hallelujah. Est-ce que je pète à moi mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que nous pouvons jeûner depuis le 10 jusqu'à le 31, mais de 10 à 17, les points de jeûne normal, ce qui nous abstenir de nourriture pendant un certain moment. Ok, mais tu es capable de manger à soi, amen, tu es capable de manger, tout dépend comment tu as envie de faire aller. On peut expliquer tout ça la semaine prochaine, quand on peut cause l'eau, le jeûne et la prière. Amen, 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 amen. Mais nous besoin en prendre jeûner, et te jeûne selon tes capacités. Te jeûne selon tes capacités. Amen, 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 hallelujah. Et comme on a fait tous les jeudis, nous prenons l'offrande, glanarichion.org, sow a seed, je t'envoie cette offrande. Et ceux qui ne sont pas encore partenaires avec nous, oui, Jessica dit chocolat. Oui, ça qui content mange chocolat, content mange gulab jamun, content mange la barfi, gâteau de moutaille, etc. Amen, nous vous bisons. Mais la semaine prochaine, on peut expliquer juste ça. Amen, ne pas faire. Pas faire quelque chose brite, mais on peut expliquer le jeûne la semaine prochaine. Alors, demain, joignez-nous ensemble. Amen. Ceux qui n'ont pas encore un partenaire avec nous, me demandez de venir un partenaire avec nous. Amen. Nous visons notre partnership pour nous capables de faire plus beaucoup qui sont encore plus loin. Donc, nous capables d'aller plus loin. Hallelujah. Que le nom de Dieu soit béni. Si tu n'as pas encore venu un partenaire, me demande-toi de venir un partenaire et envoie-moi un message. Et n'oublie pas encore en janvier. Janvier, le 20, le 21, le 22, Raising Kingdom Millionaires. Tu as besoin d'investir dans ta propre vie. Amen. Investis dans ta propre vie. Amen. À Maurice, les poids, 8500 roupies. Tu es capable de causer avec le frère Rudy. Ou sinon, la sœur Pushtika, ce qui est à Maurice. Ok? Hallelujah. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, votre souhait demain. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Si vous êtes capable de porter ce message avec vos collègues sur Facebook, nous pouvons apprécier. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.